the lines, all the waves. Bonjour à tout le monde, bonjour Edith. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire des brochettes de tomates mozzarella D'accord. avec au pesto. La mozzarella au pesto. D'accord, ok. Voilà, donc moi je mets des petits oignons entre, on met ce qu'on veut après. Hein. Là c'est du persil, du basilic, des petites tomates de couleur, du parmesan, de la mozzarella, des piques bien sûr, et j'ai mis un chou-fleur là pour être le socle des brochettes. Voilà, c'est un brocoli. Ok, d'accord. Voilà, je vais commencer par le pesto, donc nettoyer les herbes, laver, voilà. Eh bien, écoutez, à tout de suite, alors. À tout de suite. Bon, alors, Edith, tu fais quoi, là? Alors là, je vais faire le pesto, donc j'ai nettoyé les aromates. D'accord. Du persil et du basilic. Voilà, je vais mettre dans le blender. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'ail. Je vais couper en petits morceaux, une gousse d'ail. Voilà. Ouais, c'est le plus compliqué à faire, ça. Oui, c'est pas compliqué. De l'huile d'olive. Voilà. Un petit peu de sel. Du parmesan. Une petite cuillère de parmesan. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, je vais mixer le tout. Applicable. Voilà. Je vais mettre dans un récipient. Et je vais mettre de la mozzarella coupée en dés dedans. Ah d'accord, ok, tu vas faire macérer. Je les mets à macérer. D'accord. Voilà. Et si le pesto est un peu trop épais, on met un petit peu d'huile et puis voilà. Hein. De l'eau, on peut mettre de l'eau aussi. On peut mettre de l'eau aussi. D'accord, ok. Eh bien écoute, à tout de suite, Élie. À tout de suite. Donc voilà, là je coupe la mozzarella en cubes. Ah d'accord. Voilà, pas trop petit pour que ça tienne dans la brochette. Et puis je vais les mettre à mariner dans le... Ah d'accord, ok. Enfin, mariner, macérer dans le... Dans le pesto. Pesto. Ah d'accord, ok. Voilà. Ah donc tu coupes tous tes morceaux et tu les mets dedans là. Tous les morceaux. Ok, d'accord. Eh bien écoute Edith, je te laisse faire, je te retrouve dans quelques minutes. Oui. Donc Edith, là, je vois que tu as fini de couper tes petits cubes là. Oui, donc là je vais laisser mariner. Ah d'accord. Dans le pesto, au moins une heure. D'accord, ok. Oui. Ah oui, ça va bien, ça, bien s'imprégner du goût et tout là. Oui. Ah ok, d'accord. Voilà. Eh bien écoute Edith, je te retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc Edith, tu fais quoi maintenant alors? Donc voilà, là maintenant c'est macéré. Je coupe les petites tomates en deux. Voilà, je mets dans la brochette. Un petit morceau, il faut prendre avec les doigts, c'est plus pratique hein, pour les enfiler. Oui. Voilà, il faut aller délicatement. Je mets l'autre, hop, ben celle-ci elle était trop lourde. C'est pas grave. Je referme la tomate. Et moi, je mets un petit oignon. Voilà. Et je recommence l'opération. Ah d'accord, ok. Voilà, je remets dessus. Un petit morceau de mozzarella. Ça va faire des belles brochettes, ça. Oui. C'est pour l'apéritif. Ah oui.
Voilà, et puis je pose sur mon brocoli et je garnis le brocoli comme ça. Ah d'accord, ok. Bah, Voilà, il sera tout garni. eh ben, c'est super. Bah écoute, je te laisse continuer, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc Edith, ça y est, je vois que tu as fini ton arbre de tomates là. Oui, voilà, donc ça sera pour l'apéritif. D'accord. Voilà, mon arbre Des tomates de cerises. tomates, cerises, mozzarella. D'accord. Voilà. Écoute, je te souhaite un bon apéritif alors. Merci, toi aussi. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt.